congodialogue.com. Voilà, encore une fois, grand merci à Francine Ngembe, femme de valeur, car on est dans le message dans l'Oba 100% canon. Merci à Bino Yosobosa connecté, quel que soit l'heure. Bino Yosobosa, on a Bissot, on a Boutou, bonsoir, on a Bino Yosobosa, on a Bissot, on a Moï, bonjour. Awawa, tous en a Bandal, donc tout est le mini Bosso, il y a grande salle Oyo, Fall Bob, tout est le mini Pambate, parce que ils ont un événement, mon gros, activité, ils ont un salima, na Katia salle Awawa, il s'agit bien, il y a conférence Oyo, et que ça l'a animé, na Maman Prophétesse Dina, Oyo akomeka kolobela biso concernant le rôle d'un prophète. Parce que le lot monde ba prophète ba zo bimebele, ba tunyon se ba wimiko linga prophétie, ba tunyon se ba wimiko pe sa foi na ba wana ba prophète. Alors, maman prophétesse Oyo Dina, ye alingi aya siko ko explique biso to ye ba rôle ya prophète eza nini. Alors, eza conférence Oyo, e bengisi ba tunyon so, eza la jeune, et à la Mikolo, Bangonyo so va se présenter à Awa pour que baya ko partager connaissance Oyo, message Oyo, maman prophétesse Dina Oyo akoye ba kolobela biso na butu opé na pokwa ya lelo. Donc mingi ya olobezate to kokota déjà na kati pour que toye ba message clé nini Oyo maman prophétesse alingi ayebisa biso et nini alingi aura révélé na bana nzambe nyonso oyo bazola na biso à ces instants. Donc tozo kota déjà na kati pour que toyeba nini oyo ekosleka na soirée ya lelo. Pendant que nous acclamons là, je vais directement saisir cette opportunité pour vous présenter une femme. Une femme pas comme les autres. Une femme vraiment unique à son genre. Une jeune fille qui se démarque de sa génération. Non seulement pour aujourd'hui, pendant ces deux soirées, c'est elle l'instrument que Dieu s'est choisi. C'est un instrument par lequel vous et moi, nous serons visités, touchés et plus partis. Est-ce vous avez l'oreille? S'il vous plaît, je vous prie de pouvoir vous lever avec des amis. Mais je vais vraiment que ma Dubaï est la définition.
question, il y a mon prophète. C'est qui un prophète? Un prophète est celui dont Dieu transmet le message pour l'orientation de son peuple, de d'une nation, d'un pays, d'une ville et de l'église. Donc, voilà, et la définition, il y a prophète. Alors, après sa définition, on a surtout toqué plus loin. Donc, c'est un voyant. Alors, un voyant, c'est qui? Un voyant aussi, c'est toujours la personne qui transmet le message. On allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. S'appelait autrement, autrefois les voyants. Amen. Donc, voyant. Donc, les autres qui vous parlent, c'est à ta voyant. Il ne faut pas trop en vouloir. Tout le monde, non, à ta ganga, à ta sotini. Non. Un voyant, c'est un prophète. Autrefois, il est appelé voyant. Amen. Et puis, ce qui nous termine, c'est un ancien testament. Dieu parlait avec le prêtre et le prophète. Le prophète, au ancien testament, a trouvé la rose au temps, il vient dans la nuance. Lorsqu'il a parlé avec Agé, a parlé avec Samuel, a parlé avec la prochaine vie, ce qui va être passé, c'est qu'il répond à Osoa, orientation quelconque, il est toujours au loin, allant vers l'ordre de Dieu, car la prophète. Est-ce que vous êtes, vous êtes au Kabien? Est-ce que vous comprenez dans le bas? Ok, d'accord. Donc, nous devons savoir, les prophètes, ils attaquent et non, je suis prophète. Non, comme quelqu'un peut dire, je suis l'homme de Dieu. Parce que même je suis l'homme de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu était un prophète. Parce que, à l'Ancien Testament, Dieu parlait à eux. Je te connaissais, et avant que tu puisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est exactement au micro, monsieur prophète, non. Parce que les lots de ce monde, parmi les cinq ministères, de ce monde, les lots de la façon qui concerne la théologie, pour les lots à commun pasteur, pour à commun par exemple évangéliste, à quelqu'un que ce soit sa formation quelconque, mais un prophète, à quelqu'un qui n'a jamais formation, il y a prophétie. Un prophète, à sa déjà n'a édicaporana depuis la salle. Vous savez déjà sa consacrée. Donc, déjà, c'est qu'un prophète a quitté pour sa formation prophétique pour aller à l'église à Osakola. Jamais. Ici, on voit qu'ils avaient trop glissant. Donc, on est prophète, mais on ne le devient pas. Mais je peux devenir pasteur lorsqu'on vient la théologie, la tangi, Péva Dieu, Papa Singa, Brevet, la taille. Au bazar, dans la prophétie, au bazar, dans le ministère prophétique, il faut pas comprendre qu'on est prophète, on ne le devient pas. Parce que à ta place, mon côté, pour prouver que ça n'a pas de sens, on va la distraire pour prophétiser. Et ça, c'est dans le monde. Amen. Donc, c'est un peu ça. Dieu dit, et tous les autres, Malachie 3:1. Au peuple de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, nation, pays, ville, église. Ils étaient le porte-parole de Dieu, comme je venais de dire tout à l'heure. Le porte-parole ne fera pas ce que Dieu n'a pas dit de faire. Qui fait-il? Nous, le prophète, bisous au Tosan, à quatre ministères prophétiques, au côté de l'Oba et l'Oko Oyo, maître Naïo, Dieu a l'obité au Loba. Parce qu'il faut au Loba et l'Oko Oyo,
Zamba lobi onoa. Parce que les noms t'ont comme qu'on remarqué. Excusez-moi, dans le ministère prophétique, il y a d'autres personnes qui se permettent de dire des choses que Dieu n'a pas dit. Les autres, aussi, ça, par exemple typique, il y a le président de la République, et tant que porte-parole, là, par exemple, a dit une homme que le voyait mis à peuple congolais qui est, bah, au foot, elle est sous son paroté. Mais il est accueilli, elle est sous le peuple congolais, non, il est au il faut au foot un paroté. Ça veut dire que le président sera mécontent de lui. C'est comme nous aujourd'hui, et tant de prophètes, et tant maintenant nous sommes dans la prophétie, on peut dans un quatre ministères prophétiques, nous devons savoir une chose. Nous sommes juste le porte-parole de Dieu, où il faut nous transmettre un message d'exemple et à Jotine, à ton orienté, peuple naïe ou une nation. Amen. Le Koloukanani, prophète. Parce que pas une orientation. Parce que dans quatre ans orientation, on a et ça n'a pas au prophète à Koloba, où est-ce que ça a dit, qui ça. Ça veut dire rôle y a prophète et ça ont orienté peuple de Dieu pour à vivre et peuple à ça des mains t'orienter. Il y a moi on remarqué l'Ancien Testament, le peuple israélite, parce que avant qu'il y ait des batailles, il fallait pas consulter. Mais on ne peut pas consulter dans Zélaï. Il faut consulter dans Zélaï à ma prophète. Est-ce que tout le monde est ok? Tu as réussi ou tu as réussi? Nous avons eu à être sa parole, nous avons eu à Bossala, ma orientation, nous avons eu à faire la directive qu'il faut pour ma KDPE, pour ma loi. Mais nous avons eu à faire la obéissance à ma loi qui peut ma KDPE, mais ma obéissance, voilà pourquoi ma KDPE est un échec. Et ça, c'est le moment où il de Toza Awa. Toza Awa, le prophète, le sali, le porte-parole, il y a ça, mais au lorsque je vais orienter le peuple du Kabo, il faut péter au pays. Et ça, c'est ce que je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, appelle ça mon forme. Alors, bah, t'es maman, au moni, ton sang de la caca, pour être au Kisamate. Non. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Lorsque Dieu dit oui, c'est oui. Il faut pas que nous topper sa prophétie forme. Parce qu'à chaque fois que nous topper sa prophétie forme, c'est à ce moment-là qu'il y a l'échec. Non, il ne faut pas que ça la boue, que ça la boue, que ça la boue. Mais le col à ma peuple israélite, par la déla qui a beau, par salaïni, par zonga qui va retourner, qui sort et sort, parce que le problème est côté. Mais ce qui va m'en battre, ça qui va nous faire mal, par la qui va zonga, les moussous, là. En forme de terre, il n'y a pas de couvre, il n'y a pas de joie. Mais tellement par obéissance qu'il n'a pas ensemble, voilà pourquoi ma zone est sain et sauf. Donc, je vais vous voir sous Esaïe 42, 19. Avec, sinon mon serviteur est sous comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pilé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, prolongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Amen. Il ne peut que voir lorsque Dieu le montre. Il ne peut que écouter lorsque Dieu le parle. Il doit être aussi sourd. Parce qu'il ne veut que parler si Dieu le dit de parler. Aussi longtemps Dieu ne t'a rien montré par la vision, ne dis rien, tais-toi. Aussi longtemps Dieu ne t'a pas parlé, ne dis rien, tais-toi. Aussi longtemps vous savez, à l'obéir dans mon connaît. Ma message, voilà, ne dis rien parce qu'il a dit que nous, le prophète, nous devons marcher comme des aveugles, nous devons aussi être comme des sourds et des muets parce que le prophète a recevra toujours aux amis message et vous dit et pas à papa pour à transmettre à vous, pour à libérer à vous et ça n'est que lié à créer à vous parce que ceux qui déjà y ont commis comme moi, papa au pessou, ceux qui déjà y ont commis comme papa au pessou.
déjà oyebi komona oyo osoyebi déjà koyoka oyebi koloba. Ok, un prophète il faut attendre avec. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel releva l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain. Et il mène la Chroniques 20, ça lui tout à l'heure. Il s'est mis en marche, déclamaté pour le désert et de bois. À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit : écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Amen. Confiez-vous à votre Dieu, vous serez comment ? Affermis. Mais confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Ça veut dire quoi ? Dieu apostolique, docteur, tout cela. Mais il veut que nous puissions réussir par le prophète. Pourquoi seulement le prophète? Parce que le prophète voit là où il y a le danger. Le prophète voit aussi là où il y a la bénédiction. Le prophète sait orienter là où tu peux entrer. Mais tandis que d'autres quatre ministères qui restent sont là pour te former, pour te faire grandir dans la parole, dans beaucoup de choses. Mais sauf que le ministère prophétique est là t'orienter vers ta réussite, vers ta destinée, vers tout ce que Dieu est en train de rechercher pour que tu puisses la saisir. Amen. Hein? Donc c'est par là que Dieu est entré quelque part de nous faire rappel que puisqu'on est dans un quatrième ministère prophétique, il faut tout ça faire vraiment très attention. Et ça, le ministère, mon corps, peut-être que vous en montrez à l'ouvrage de la blague. Non, il ne faut pas tous en montrer à la blague. Et ça, le ministère, mon corps, et ça, vraiment, ma casse. Et ça, le ministère, ils ont nagé vraiment dans la casse de la vie à battre. Pas seulement dans la casse de la vie, même il y a nation, même il y a la vie, même il y a l'église. Donc, on sent que tout le monde, il n'y a pas papa, ma tête, il y a un peu de temps, il y a un peu. Donc, on va même en mettre du bon sens dans le petit Dieu, on va le voir comme ça, le petit Dieu, on va le voir dans le général, mais il y a un bon sens spécial. Voilà pourquoi nous sommes d'après celui de révélation, après celui de que ton nom est dans sa conférence, il y a un rôle, il y a un prophète, parce que ça, parce qu'on a génération, on les l'a évoqué, il y a beaucoup de femmes. Parce que génération, on l'a évoqué, il y a un rôle d'un côté, surtout quand tu vas dans la gueule à la prophétie. Surtout quand on a la parole là. Parce qu'on a la parole de la parole. Parce qu'on a la tête de la parole de la parole. Parce qu'on a la parole de la parole. Parce qu'on a la parole de la parole. Un prophète n'a plus le respect. Sauf qu'il y a le conseil de la 2 Chroniques 20-20. Alors il confiez-vous au prophète, vous réussirez. Il y a le conseil. Ça veut dire qu'il sait pourquoi il a dit ça. Parce qu'il a dit qu'il a une capacité pour que l'on ne soit pas capable de faire. Dans l'Igolo, dans l'Ola, on ne soit pas capable de se libérer. Donc, à ça, on ne doit pas avoir combattu. À ça, on ne doit pas avoir combattu. Aussi longtemps qu'un prophète ne saura pas son rôle, ça sera difficile pour ses ministères. Ministère où on est au Koufa, ministère où on est au Lala, ministère où on est au Finama, et au Tcholama, et au Nyatama. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous tirons dans nos hours. La petite a trois questions, juste trois questions. Nabato va pouvoir vous poser une question à l'un. Trois personnes, donc on aura trois questions. Et puis, nous clôturons pour aller l'eau. Comme ça, demain, nous continuons le prophète du Nouveau Testament. Amen. Hein? Ceux qui n'en auront pas l'oubli, pour comprendre l'idée, ou soit, moi, Bani Nizakati, tu es libre, tout simplement la ministre de l'été,
pour poser une question, une question qui a la précision pour gagner les temps. Ok. Alors, Régine Simba Naza Kouduna Pesa Pitunate, mais ça dit qu'à ma canisimouké, quand on se profite, ça comme un chien de Sikawanate, mais aussi j'ai mouké. Parce que le prophète a dit ce soir, le prophète, a beau qu'un prophète, car c'est un combat qu'un prophète. Mais si dans mon côté, la guise est de la salise, la douleur, la salamone, comme la prophétie. Mais observation, ce que le prophète a vu pour l'humanité, n'est-ce plus les autres, au côté de sa vie, sur la 2 Rois chapitre 2, verset 1, 10, 7, où elle dit, à centre, il y a Bethel, centre, il y a Gilgal, centre, il y a Jéricho, où le bain est un prophète, la salade, dans ces cas-là. Bon, il y a mis la lettre aux autres, à dehors, il y a ministère prophétique. Prophétesse, ça nous dit, théologie, ils ont formé ma pasteur, mais si vous voulez, ma apôtre, ma évangéliste, ma docteur, ma bimélina, c'est la ligne. Merci, moi c'est le prophète Samuel. Mais question à mes amours. L'église, vous avez peut-être quelqu'un à la grâce pour le ministère prophétique. Mais encore la église, parce que l'église dans la vie, à la vie, à ma prophétie dans la vie. Pour ma prophétie, c'est pas la vie. Si vous voyez par la vie, ça va être un prophétie au niveau de mon bon église à vous. Par contre, ça n'est ni une église à vous. Soit par toi, parce que vous avez une prophétie. Vous voyez, est-ce que ça a fondé, soit les gens à venir, soit les gens à rien. Quelle soit la raison de ça, soit pour la voyez. Est-ce que l'église à vous, mais ils sont devant ma grâce, soit tout le monde qui est, soit tout le monde qui était. Parce que vous avez une vie pour la vie, ou les gens à venir, soit les gens à vous. Il y a qu'à la vie, ma parole est la soudée. Par le vrai, les gens à vous, merci. Par rapport à la première question, je me mets en retard. Ne deviens pas prophète. Parce que je sache, la prophétie, c'est un don. Alors, ma question c'est de savoir. La prophétie, comment je vais dire ? La prophétie, c'est un don. Alors, ma question c'est de savoir. Un chrétien qui désire ses dons. Et il se rend compte qu'il n'a pas ses dons. Et il désire ses dons de prophétie. Vous avez dit qu'on ne devient pas prophète. Est-ce que si ce chrétien qui est demandé à Dieu ce don de prophétie, est-ce que Dieu lui prierait? Donc c'est ça la question. La personne qui a qui envie d'avoir le don de la prophétie, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit demain, lorsque je vais parler de nouveau de prophète du Nouveau Testament, c'est à ce moment-là que je vais vraiment énumérer tout ce que tu viens de poser comme question. Donc nous sommes là juste demain. Et lorsque vous me dites qu'on est prophète et que papa, par exemple, là-bas, si je me rappelle bien, a dit que non, Nathan Mortalisa qui n'est pas là-bas prophète et tout, et tout, et tout, théologie et tout, et tout, et tout. Mais quand il a dit sa papa, n'a pas été au clair. Moi, je ne sais pas ce qu'il est, qui est, ou bien comprenait qu'il y a été. N'a pas été pauvre. Et ça, la formation, mon côté, au papé Saka, le ministère prophétique, non, a toujours formé par pour essayer de le comprendre. Mais tandis que quand je parle de théologie, même un prophète aussi peut faire la théologie. La théologie, c'est pour tout le monde. Tout homme de Dieu peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut qu'il y a 7 ans à côté, on a qui place mon côté, dès que vous avez dans l'actuel, dès que vous vivez dans le Congo, même partout, même dans d'autres pays, on a Tamoli. Tamoli, il place mon côté, formation de prophète. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un prophète ne devient pas prophète, mais il n'est prophète. Nous avons déjà ça qui dit ça qui grâce, on a déjà la partie. Il y a un remarqué, n'est-ce pas, moi, on a 4 ans.
Mais un enfant de 4 ou 5 ans, ça se prend dans d'autres familles, ajouter sa message. Bon, dis-moi maintenant. Il a été formé où? Un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, un enfant par exemple de 7 ans. Il a été formé où? Voilà pourquoi je dis, on est prophète, mais on ne le devient pas. Ma réponse est à la prophétesse, parce que nous faisons partie du bureau. Bien. Par rapport à la première question, la prophétesse a aussi éclairé qu'ils sont à voir. L'école non retrouvée dans le ministère de la prophétie. Il n'existe aucune école qui donne le ministère prophétique. C'est un don qui vient de Dieu. Il a précisé, ils ont raison. Mais il faut nuancer. Les dons de prophétie. Ministère de la prophétie, attends, Seigneur. Voilà pourquoi je dis demain, pour chier, la prophétie, voilà, le mot qui est juste brief. Et par rapport à la troisième question, le bien-aimé veut tout simplement savoir, pas du ministère. N'ayant pas ces dons, mais toutefois, les désirs, est-ce qu'on peut les demander à Dieu? Je répandrai mon esprit sur toutes chair, vos filles et vos fils prophétisent. Ça, c'est un. D'orangerie, non, on va parler. On va parler du Nouveau Testament. Lorsqu'on voit le Nouveau Testament, c'est le temps de la grâce. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, Dieu fait maintenant grâce. Il peut faire grâce maintenant à qui il veut. Voilà pourquoi j'ai séparé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on parlera de tout ça. De cette grâce-là que toi, tu veux. Amen. Que Dieu nous bénisse vraiment, je suis très contente. Nous allons clôturer par la prière. Éternel Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Adonai, Papa, qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est que te remercier? Qui suis-je? Je suis un instrument par lequel tu t'en fais utiliser pour ton peuple. Seigneur, cette terre, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi qui l'as choisi. Seigneur, je veux que tu puisses bénir tout peuple qui était venu répondre à cette invitation. Que Seigneur, toi seul, tu puisses combler les vides qu'il y a dans leur cœur. Que tu puisses les bénir, que tu puisses encore, Seigneur, papa, soutenir cette génération en vivant ta descente divine. Seigneur, fais-nous grâce que la journée de demain, que ça soit, Seigneur, papa, spécial pour nous. Accompagne chacun de nous, Seigneur, vers, Seigneur, sa destination. Seigneur, sois sur ton peuple, Seigneur, qui sont bénis ce soir. Que, Seigneur, garde tout, Seigneur, papa, sois, Seigneur, papa, si ta machine est par toi, Adonai. Sois élevé, sois magnifique. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons mon ami souhaité à ouvrir et pas l'assemblée. Parce que ça, c'est un culte. Amen. Oui, vous devez prier tout le monde à l'assemblée. Zambé, Yamoué et Atoma, mon mot, Aïe, la Moïse Asala, ta réalité. Et à ce moment, il s'agit de Mamoko, après la Makati, il y a les Moutanaïe, il y a les Mamala, pour la tête de l'Olaïe et ton papa. Amen. Pour la Mamoko, Zamba est ici dans mon salle laïe, après la Maturité Mamala et ton papa. Il y a pour la Poupa de l'eau, Zamba Zosé la Maturité sur le aujourd'hui, à notre dernier jour,
du Pélopi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le rôle à l'Opéza Souka, et je crois par rapport au pays à ma créance autour de chaque activité, où nous avons appris à cette inspiration par la salinaire, et ça va accompagner l'atmosphère en cours. Et je crois que demain, le rôle à cette activité, c'est une activité prophétique, l'esprit, l'onction prophétique, et pour accompagner ça, c'est moi, et le peuple de Dieu, demain, à cause de la paix. Alléluia. Tout est venu pour l'autre, pour tout ce qui s'en va. Tout est venu de la petite activité à l'homme qui est venu pour mon centre magique. Pour son amour de Dieu, son Mazara, pour tout le monde, alléluia, alléluia. Sakara Prodé, pour alléluia, alléluia. Seigneur, accompagne ces peuples, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses disposer des moyens de transport pour eux. Seigneur, fasse que, Seigneur, la journée de demain, tu puisses faciliter aussi le transport pour eux, Seigneur. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont voulu venir, qui ont manqué le moyen financier. Toi, le Dieu qui bénit, va, Seigneur, bénir ces peuples, Seigneur, qui avaient manqué, Seigneur, papa, l'argent, pour payer le transport pour arriver dans ce lieu. Comme également toute personne qui vient de la machine, de la machine, de la machine, Seigneur, je veux que tu puisses la payer financièrement ce soir. Je viens déclarer comme Seigneur ta servante le roi, Tiawa, ce soir. Je veux que le miracle nous accompagne. Que ce ne soit pas seulement, Seigneur, cette conférence, mais que la bénédiction financière puisse les accompagner avant qu'ils ne puissent dormir, que tu puisses visiter financièrement chacun d'eux. Récitez les chandas. Merci de le grâce. Seigneur, que toi, ce que tu sois, Seigneur, leur, Seigneur, papa, départ et arrivée dans leur famille par le nom puissant de c'est de partir parce que nous avons dit qu'on a partagé l'oubli de nous donner avant de nous mettre dans son couloir et louange la personne de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les années côté, salut ton frère et ta soeur. Bye. Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs. A Wande Mbozo Landabiso Tozana Kati Abondal na soirée Mnene Utikoleka à travers Mama Prophétesse Tina. Après Kosili Sanae soirée, Tozane Awa Koki ko répondre biso na quelques mots. Selon ba invité Tobino Batbozo Landabiso à travers États-Unis, à travers Londres, à travers France, au Belgique. Mama Tina yeyo ndenge boyoki ye na koki ko tuna mutuna mukie. Bonsoir Mama Tina. Bonsoir ma soeur. Voilà, selon Balandina Bisho, il y a le monde entier, Balandio, Ndenge séminaire et l'équipe, Ndenge conférence et l'équipe, na explication na yo Ndongo Pesi Bato. Oui, Dolandi, mais prestation na yo, selon Nakati, il y a première séminaire au Isani. En fait, en tout cas, première édition où il y a rôle de prophète, et ça plus pour la génération où il y a des jeunes et Zoya, parce que les erreurs que nous, par exemple, au Tosali, il faut que le ministère n'a pas été. Voilà pourquoi Saint-Esprit m'a révélé cela. Donc il faut que le ministère prophétique et Zanini, donc il y a prophétie et Zanini, on va en parler demain. Aujourd'hui, dans 8 ans, vraiment, il y a une introduction. Qui est un prophète? Mon prophète est Utiwapi. L'Ancien Testament, plus Ancien Testament, comment le prophète de l'Ancien Testament, Babanaki Kotambola, Neni Babaku orienté Batou. Donc voilà pourquoi demain, tu vas remettre la Nyosoana, tu vas généraliser Nyoso, tu vas sanguiser Zusu, tu vas le lobby,
Et après, je sais que demain, il y aura l'atmosphère prophétique. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Mais Maman Tina, la prophétesse, selon Ndengetoyo qui ont expliqué, selon l'Ancien Testament, Mingi Balandi, Balandi Bakanga, qui peut Baokanga, pour comprendre. Mais ce qui va tout ni moutouna que prophétie, Babota Maranangote, don et prophétie. Alors, ce qui va ni batouna yo, moutou à Bota Mina Esprit, na don et Ndoto, Yepeba Benga, y'a prophétesse, to prophète. En fait, on nous parle de 9 dons. Dans la prophétie, et ça dans la prophétie. Dans y a d'autres, ça dans de songe. Et ça parmi le 9 dons. L'obit n'a relobé la macamounion soana. Parce que lorsqu'on voit le Nouveau Testament, on voit c'est le don de la grâce. Où il y a le don, où il y a aussi le ministère prophétique. N'a pas expliqué, qu'est-ce que le ministère prophétique. Mais n'a pas expliqué, don. Parce qu'aujourd'hui, on a expliqué en côté. Le Lozaki Kaka introduction, pour expliquer Batou, un prophète est qui? Le mot prophète est Utawapi. Et puis, rôle, oh, le prophète dans l'Ancien Testament, il y a joué. Et puis, l'homme est dans le monde. Ok, même si on a dit que ma bota mina ngote. Mettons à Koliboye, à comme prophétesse, à comme prophète. Voilà pourquoi on a Zoloba, lobby. Parce que lorsque on a lobby, on est prophète. Parce que la prophétie, ça ne s'apprend pas. On a dit que on a fait cette explication. Bon, de toute façon, lorsque on a dit que dans le Nouveau Testament, on est dans un temps de grâce. Donc, dans le temps de la grâce, l'Esprit de Dieu descend. On a dit la grâce dans le monde. Parce que vers le temps de la fin, je répandrai mon esprit et ça descendra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Voilà donc qu'est-ce qu'on a donné à songe. Mais tellement nous avons la plus ministère prophétique, de prophétie. Nous avons la plus marambouya prophétie. Donc, au fin de Samara, la prophétie, tu vois. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, demain, on va en parler. Parce que. On est prophète, mais on ne le devient pas. Bonjour, on a été quasi, un peu. Comment dirais-je? Contredit, Baninga Moussou, Bazalaki, prophète, que, comme on a Kimoukolo, et Zalaki n'a ngoté, mais comme il a Kimoukolo, on a mis tout Orlando, Balbaké, est-ce que, oh, il y a le Bawan et Zengo, yo, le Banabaonini, pour comme on a Kimoukolo. Voilà pourquoi on a lobby. Lobby n'est aussi la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Aujourd'hui, c'est la prophétesse, mais on a mis tout. Pourquoi ma bamito baroye a envers yo expliquer bamoto peut-être baroloba oh allo ba waneza le kuta cher téléspectateur binomo bozo yo ka babi babota maranango bakola ranango te bongo ba oh bakoli nango toyo rango lobby mais ce na baninga msu ndenge bazala bazala wana parce que lobby ozo démontrer dans jeunesse que makamanza mbeza boye boye prophétie za boye boye alors oh ba jeunesse ba yo ka wana eza photo eza ya solo to kaka. En fait, na lingine ba jeune o bazo bima lelo ba yeba likabo don na ministère, ils a deux choses différentes. Ils a na mutu muso sa zane juste na don, mais ami bengi prophète. Non, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète. Donc tu comprends, c'est yango mon na bi moina lo bango lelo za te po ba comprendre déjà ma gambango te ya ya. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lobby, tu comprendre que ils ont raté. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À demain. CongoDialogue.com